Exercice numéro 5. On a une matrice A. Première question, donnez le polynôme caractéristique. Le calcul de polynôme caractéristique dans P de A, ou bien P indice A de X, est égal à x moins 2, le tout à la puissance 3, multiplié par x moins 1. On passe maintenant à la deuxième question. A est-il jordanisable? Considérons l'endomorphisme T. Soit T un endomorphisme. Sur R4, tel que A soit la matrice de T dans la base canonique. A est égal à la matrice de T dans la base canonique. Alors, je la note par B, par B. On a le spectre de T. Est égal, c'est l'ensemble des racines de ce polynôme, C2 et 1. Et le calcul du sous-espace propre de T associé à la valeur propre 1, excusez-moi, la valeur propre 2 est égale, c'est le sous-espace engendré par le vecteur 0, 1, 1 et 0. On voit bien que la dimension de cet espace est égale à 2, excusez-moi, est égale à 1, c'est engendré par un seul vecteur. Comme la dimension de cet espace est égale à 1, qui est différent de 3. Avec 3, c'est la multiplicité de la valeur propre de dans le polynôme caractéristique. Alors, l'endomorphisme T doit être non diagonalisable. Et donc, il en est de même. Il en est de même. Pour sa matrice A. C'est-à-dire que A n'est pas diagonalisable. On passe maintenant à la troisième question. C'est jordaniser A. Autrement dit, c'est trouver une matrice J réduite de Jordan qui est semblable à A. J'écris jordaniser. A, c'est exactement dire que trouver une matrice réduite de Jordan J,
semblable à la matrice A. C'est-à-dire, on va déterminer les sous-espaces cycliques en précisant bien sûr les vecteurs qui forment les bases. On a R4, alors j'utilise le lemme du noyau. C'est le noyau de T-2 identité à la puissance 3 sans direct le noyau de T-moins l'identité. Je note cet espace est tout simplement le sous-espace propre associé à 1. C'est E1 de T. Le calcul de E1 T donne le sous-espace engendré par le vecteur. Quel vecteur? C'est le vecteur 1, 1, 1 et 0. C'est un espace qui est de dimension 1. Alors, le noyau, puisque c'est un sous-espace de dimension 1, alors le noyau de T moins l'identité, est composé par un seul sous-espace cyclique. C'est puisque la dimension est égale à 1. Donc, je note, ça c'est le sous-espace cyclique engendré par un vecteur E. En utilisant le fait que la dimension est égale à 1, cette fois aussi, on obtient que alors, cet espace est de dimension 1 et puisqu'il contient, il contient ce vecteur là, alors E, on peut prendre E est égal bien sûr ce vecteur. Donc je peux prendre E est égal à, alors je note c'est le vecteur E tout simplement. Maintenant, on passe cet espace-là, le noyau de témoin de l'identité le tuyau à la puissance 3. On a tout d'abord, je pose T0, l'endomorphisme, c'est la restriction de T au sous-espace noyau de T moins 2 identité, le tuyau à la puissance 3. C'est déjà, cet espace est un sous-espace invariant, donc la restriction, il est bien un endomorphisme. Ça, c'est un endomorphisme sur le noyau de T moins 2 identité, le tuyau à la puissance 3. On a le noyau de T0 moins 2 l'identité est égal, c'est le noyau. Par définition, c'est le noyau de cet endomorphisme-là. Donc, j'écris tout simplement, excusez-moi,
c'est pas le noyau de cet endomorphisme, mais cet endomorphisme moins de l'identité. Et donc, je peux écrire, c'est le noyau de T moins 2 identité restreinte au noyau de T moins 2 identité. Et ça, c'est égal au noyau. On peut vérifier facilement si le noyau de T moins 2 identité inter le noyau de T moins 2 identité. Excusez-moi, là c'est à la puissance 3. T moins 2 l'identité, le tout à la puissance 3. Et puisque le premier espace ici est un sous-espace de celui-là, on obtient que ça c'est le noyau de T moins 2 l'identité. En particulier, la dimension de cet espace ici est égale à la dimension de celui-là, est égale à 1. On a déjà calculé cet espace et on a trouvé que la dimension est 1. En particulier, dimension du noyau de T0 moins 2, identité, c'est 1. Maintenant, on peut voir facilement que T0 moins 2, l'identité, c'est un endomorphisme nilpotent. J'écris T0 moins 2, identité, bien sûr, c'est un endomorphisme sur cet espace ici. Et nilpotent. Car T0 moins 2 identité, le tout à la puissance 3, c'est T moins 2 l'identité à la puissance 3 restreinte à quart de T0 moins 2 l'identité, le tout à la puissance 3. Et ça, c'est égal à 0. Bien sûr, le 0 de cet espace noyau de T0 moins 2 identité à la puissance 3. Excusez-moi, là, c'est pas T0, c'est T tout simplement. Maintenant, je justifie cette égalité. Pourquoi c'est égal à 0? Entre parenthèses, j'écris tout simplement si x est un vecteur de cet espace, c'est-à-dire x appartient à le noyau de T moins 2 l'identité, le tout à la puissance 3. Alors, T0 moins 2 identité, le tout à la puissance 3 de X, c'est égal, c'est bien sûr, puisque cet espace est invariant par T, alors ça, c'est égal à T moins 2 identité. Le tout à la puissance 3 de x, et par définition de x, ça c'est égal à 0. Et puisque ceci est vrai, quel que soit, puisque cette égalité, cette T0 moins 2, l'identité le tout à la puissance 3 de x est égal à 0, quel que soit x dans cet espace, et je note que cet espace, c'est l'espace de départ de cet endomorphisme-là. Donc,
vrai quel que soit x, alors c'est 0. Maintenant, il vient que le noyau de T moins 2 identité à la puissance 3 est égal à, qui est égal bien sûr au noyau de T0 moins 2 l'identité le tuyau à la puissance 3. C'est le sous-espace cyclique engendré par un vecteur f. Pourquoi un seul sous-espace cyclique? C'est parce que ça, c'est un endomorphisme. L'opérateur, ce qui est à l'intérieur ici, T0 moins 2 l'identité, est un endomorphisme de noyau de dimension 1, donc un seul sous-espace cyclique. Et puisque cet espace ici est de dimension 3, alors le sous-espace cyclique ici doit être de dimension 3. Et je note que F appartient au noyau, puisque cet espace est égal au noyau de T moins 2, l'identité de T à la puissance 3, alors elle appartient à cet espace de l'identité de T à la puissance 3. Mais il n'appartient pas au noyau de T moins 2 l'identité, le tuyau à la puissance 2, car sinon cet espace ici, alors si on voit la définition de cet espace, alors on trouve que c'est un espace que dans ce cas, si F appartient à cet espace-là, alors l'espace ici doit être de dimension supérieure ou égale à 2. Mais ceci n'est pas vrai, puisque la dimension du noyau de T moins 2 l'identité, le tuyau à la puissance 3, est égale à 3. Maintenant, on calcule le noyau de T moins 2 l'identité, le tuyau à la puissance 2. Alors, pour calculer cet espace, on calcule tout d'abord 1 moins 2 l'identité, bien sûr, 4, l'identité de taille 4. Au carré. Ça sera 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Alors ceci implique que le noyau de T moins 2 l'identité le tuyau à la puissance 2 est égal, c'est le vecte de, alors le noyau de cet espace, on voit facilement que, ou bien on peut vérifier facilement que c'est seulement l'espace engendré par E2, engendré par seulement deux vecteurs, E2 et E3. Et maintenant on calcule le sous-espace. Puisque l'espace ici est de dimension 2 et le sous-espace noyau de T moins 2 l'identité de T à la puissance 3 est de dimension 3, alors la somme de T moins 2 l'identité doit être supérieure strictement à 2. A moins 2 l'identité de T à la puissance 3. On calcule, c'est la matrice moins 1, moins 1, moins 1, 0. Et il n'y a que des zéros dans le reste. Alors ceci implique que le noyau de T moins 2 identité, le tuyau à la puissance 3, c'est le sous-espace propre engendré par.
E2, E3 et E4. Et maintenant, pour trouver F, alors F dans ce cas, puisque cet espace possède un seul sous-espace cyclique, alors on complète une seule fois par un seul vecteur. C'est-à-dire, il faut compléter cette famille ici, E2 et E3, par un vecteur de cette famille pour avoir une base de cet espace. On peut prendre tout simplement E4, ou bien on peut prendre tout simplement F est égal à E4 pour compléter cette famille. Et donc, on a presque trouvé la base cherchée. Et maintenant, si on pose donc la famille F qui est égale à T moins 2 identité de tout au carré de F, T moins 2 l'identité de F, F et E. Eh bien, une base de R5. Excusez-moi, base de R4. En fait, les deux premiers vecteurs, le vecteur ici, si je le note par F1, et le vecteur ici par F2, et ce vecteur par F3. Alors, F1, F2 et F3 sont base de, forment une base de cet espace cyclique, c'est-à-dire une base du noyau de T moins 2 l'identité, le tout à la puissance 3. Donc je rappelle que R4, c'est le noyau de T moins 2 l'identité, le tout à la puissance 3, somme directe, noyau de T moins l'identité. Alors on a F1 F2 et F3 est une base de cet espace et E est une base de cet espace et donc F est bien une base de R5. Et maintenant si on calcule la matrice de T par rapport à cette base, on va trouver la forme réduite de Jordan. On calcule maintenant la matrice. On a T moins 2 l'identité si j'applique à F1. Alors, par définition de F1, ça c'est T moins 2 l'identité, le tout à la puissance 3 de F. C'est égal à 0. Et ceci implique que T de F1 est égal à 2, est égal à 2 F1. On calcule maintenant l'image de F2. Bien sûr, par rapport à cette base, on a T moins 2, l'identité de F2 est égale, c'est T moins 2, l'identité au carré de F, qui est égale à F, excusez-moi, est égale à F. C'est F1. Oui. Donc c'est F1. Et ceci implique que T de F2 est égal à F1 plus 2 F2.
On calcule maintenant l'image de F3, puisque T-2, l'identité de F3 est égale à T-2, l'identité de F est égale à F2. Alors, T de F3 est égal à F2 plus 2 F3. Et finalement, on a T de E, puisque E c'est un vecteur propre de T associé à 1. Alors ça est égal à E. Et maintenant, on peut calculer la matrice. La matrice de T dans la base F ici je mets F1, F2, F3 et finalement E. T de F1 c'est 2 F1 donc je mets ici 2. T de F2, c'est F1 plus 2 F2. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre les zéros. Je reviens à T de F2, c'est F1 plus 2 F2, donc 1, 2, 0 et 0. T de F3, c'est F2 plus 2 F3. Alors, 0, 1 dans F2, 2 dans F3 et 0. Dans le reste. Ici, on a T de E1 est égal à E1, donc ici, il y a un 1 et les autres sont des 0. Et on peut voir facilement que c'est une matrice et la somme, ou bien c'est la concaténation de deux blocs de Jordan. Le premier bloc, il est associé à la valeur propre de, ou bien relative à 2. Et le deuxième et le dernier bloc, c'est un bloc de taille 1 qui est associé à 1. Et donc, on a jordanisé la matrice A. En fait, A est semblable à cette matrice-là. Et donc, on a fini.